pour ça. Regarde. Il y a un savon noir que tu vas acheter. Et le savon noir là, tu vas faire la boule avec ton pied droit. Tu vas rouler la boule là avec ton pied noir. Le savon noir là. Et tu vas avoir cette boule. Tu vas chercher quelque chose comme ça. Et tu vas prendre ton pied droit là pour pousser le savon noir là dans une assiette. Tu vas prendre l'assiette, mets ça dans ta voiture. Je vais vous montrer comment vous pouvez dominer dans n'importe quelle entreprise. Tu vas prendre, quand tu vas faire ça, laisse 7 jours, ça n'a qu'à sécher. Ça n'a qu'à sécher. Voilà. Quand tu vois que c'est sec, rends-toi au bord de la mer. Ce qui se passe au bord de la mer, quand ma grand-mère est en train de me raconter, j'étais dépassée. Ce jour-là, on s'est réveillé un matin. Cette vieille dame m'a dit de la suivre. Mais il fallait du temps pour marcher parce qu'elle marchait très lentement. En toute chose, il faut avoir de la patience parce qu'il y a certains secrets, tu es obligé de suivre avec beaucoup de patience et de respect. Avant d'arriver vers l'eau ou le lac, parce qu'on n'avait pas de mer, il fallait aller vers au bord des lacs naturels que Dieu avait créés. Elle est rentrée en brousse, je la suivais. Elle a coupé une plante qu'elle a mis dans ma bouche. Et elle a coupé la même plante, elle a mis dans sa bouche. Dès qu'elle a mis dans ma bouche, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si quelque chose avait ouvert mon esprit. Mais je n'avais plus la possibilité de parler. C'était très merveilleux. C'était même fabuleux. Je ne pouvais plus dire, mais grand-mère, pourquoi tu as mis ça dans ma bouche? J'avais la langue qui est devenue immédiatement lourde. Ma bouche est devenue carrément lourde. Parce que ce que mes deux yeux allaient voir, le savon noir que vous avez préparé avec votre pied droit, vous devez aller le déposer normalement au bord de la mer. Si vous n'avez pas de mer, vous pouvez le déposer au bord d'un lac naturel. Mais ce qui se passe à 12h00 est quelque chose de hyper fabuleux que mes deux yeux devaient voir. On avait pris du temps pour marcher pour arriver ce jour-là. Et plus on avançait, je me rendais compte que je commençais à entendre des bruits, comme s'il y avait des gens qui parlaient. Nous, on avait la possibilité de les voir, certainement qu'eux, ils n'avaient pas la possibilité de nous voir. Et il y avait des gens qui descendaient et qui remontaient. Qui descendaient et qui remontaient. Mince! Ma grand-mère m'a dit de prendre le savon et d'aller le déposer. J'ai dit, mais non, comment ça? Je ne pouvais pas parler, mais j'étais là, mes yeux même parlaient à la place de ma bouche. Oh! J'ai dit, je devais envoyer le savon là-bas. Tu as la force pour partir. Mais en fait, le langage n'était plus notre langage, qu'on pouvait ouvrir la bouche pour parler. On se parlait même dans les yeux et on se comprenait. Je devais aller déposer ça au bord de ce lac. Mais dès que j'ai déposé, quelqu'un s'est avancé vers moi et a mis dans cette assiette où se trouvait le savon des choses qui brillaient comme de l'or. Il me regarde, il dépose. Donc tous ceux qui étaient là, il y avait des gens dont je vais taire le nom, qui étaient là aussi, qui connaissaient ce secret. Je pouvais les voir. J'ai pris le truc et je marchais maintenant en reculant pour quitter là rapidement, pour aller rejoindre ma grand-mère. Arrivé là, elle a mis son doigt dans ma bouche pour enlever ce qu'elle avait mis. C'est comme ça que j'ai respiré. Et elle m'a dit, tu vois ce secret? N'importe qui souhaite dominer là où il se trouve,
Ce secret était donné aux chefs de village. Les chefs, les guerriers, ils avaient ce secret-là. Si quelqu'un allait déposer ça au bord de la mer, à 12h00, il pouvait profiter de ce truc. Parce que les gens allaient venir mettre des choses là. Remarquez un peu, quand des gens ont l'argent, la première des choses, ils adorent aller au bord de la mer. Ils adorent se rafraîchir au bord de la mer. Pourquoi les gens aiment aller au bord de la mer lorsqu'ils ont de l'argent? En tout cas, tout le monde ne va pas au bord de la mer. Mais lorsqu'on a l'argent, on achète des bateaux, on achète des choses et on veut se retrouver au bord de la mer. J'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est tout ce que j'avais vu ce jour-là. Je faisais un effort pour me souvenir, mais rien à faire. Mais si tu prends ce savon-là, aller le déposer là-bas, au bord de la mer, là. Arrivé là-bas, tu vas frotter avec ton pied droit le savon-là comme ça. Et ça va être tout de suite imprégné du sable. Il faut laisser ça là-bas. Mais à 12h00, tu dois être là-bas. Quand tu as déposé, tu dois venir le récupérer à 00:00. Alors que 00:00, c'est aussi 12h. Quand vous-même vous voyez là, ça ressemble à quoi? Tu vas dominer partout. Sans que même on te donne le titre. Tu vas dire, moi je veux ça. Et c'est ce qu'on va te donner. Moi, je veux ceci. Mais ce sont des secrets qui sont vraiment extra et fabuleux. J'en parle aujourd'hui parce que vous avez besoin de savoir certains secrets. Ce sont des choses qui sont en moi. Ma grand-mère m'a parlé de beaucoup de choses. Mais ça peut aider nos frères et sœurs. Les amis. Après ça, vous venez récupérer à 12h00 votre savon magique. Vous n'allez pas vous laver avec. Vous allez seulement frotter ça, comme ça. Et vous allez toucher le lieu où vous voulez aller. Dans l'entreprise où vous vous trouvez. Tous ceux qui sont là-bas, ils vont devenir comme le sable de mer.